Peinture refaite, salle de bain plus petite, espace de vie plus spacieux ou encore création de nouveaux accès, la crèche communale Gavroche s'est refait une beauté. Les locaux ont été transformés, modifiés, ce qui donne plus d'espace pour les enfants, plus de pièces à utiliser pour les enfants. Et puis bien évidemment, quand on est dans des locaux beaux, frais, rafraîchis, colorés et en même temps assez doux, c'est un plus et pour les enfants et bien évidemment pour le personnel. Financé à hauteur de 315 000 euros par la commune de Trappes, avec la participation de la CAF des Yvelines, les travaux ont été réalisés durant l'été, entraînant la fermeture de la structure. La crèche Gavroche accueille 84 enfants, essentiellement de la plaine de Naufle. Elle n'a pas été en activité pendant les travaux. On a travaillé avec les parents de façon à transférer les enfants pendant 6 semaines. Soit les parents étaient en vacances, auquel cas il n'y avait pas de souci, chez les assistantes familiales ou bien chez d'autres, dans d'autres locaux, crèches collectives. Une dernière phase de travaux concernera la cuisine, la lingerie et la buanderie pour de l'entretien et des mises aux normes. Ces travaux sont prévus pour 2016.